tel père, tel fils. Dans le clan Sardou, la fibre artistique se transmet de génération en génération. Si son père Michel enchante son fidèle public depuis plus de 50 ans, Romain Sardou a décidé de se lancer dans une carrière d'écrivain. Le 2 février prochain, le compagnon de Kim Thiriot va sortir son nouveau livre intitulé « Je t'aime », édition. XO. Pour cette occasion, l'auteur s'est confié dans les pages du dernier gala, à découvrir dans les kiosques ce jeudi 26 janvier. Au cours de cet entretien, Romain Sardou s'est livré à cœur ouvert sur ses enfants, issus de son premier mariage avec Francesca Gobbi. L'un d'entre eux semble avoir hérité de sa passion pour le théâtre. En effet, son fils Gabriel, âgé de 17 ans, est apprenti comédien au cours Florent. Il pourrait bien devenir saltimbanque, a confié Romain Sardou avec une certaine fierté. S'il sait que le parcours d'un comédien est souvent semé d'embûches, le scénariste ne semble avoir aucune crainte pour l'avenir de son fiston. Ça ne m'effraie pas du tout, a-t-il assuré. Avant de poursuivre, avant, ces métiers pouvaient faire peur mais désormais, tous les domaines sont précaires. Et le théâtre ne semble pas être l'unique talent de ce jeune homme. Ce dernier est aussi un excellent dessinateur qui a travaillé avec son père sur une bande dessinée, il y a 2 ans. Présent pour ses 3 enfants, Romain Sardou porte un regard attentif sur leurs aspirations, leurs projets mais aussi leurs loisirs. Ne manquant pas de créativité, la famille Sardou semble avoir encore de belles années devant elle dans le milieu de la culture. Romain Sardou cache sur sa carrière d'auteur, « J'étais pressé de me lancer tout comme son fils Gabriel ». Romain Sardou a su très tôt le métier qu'il souhaitait exercer. Dès son plus jeune âge, l'écrivain a eu une véritable passion pour la littérature et le théâtre. Dès que j'ai su lire, j'ai fait répéter ses textes à ma grand-mère, Jackie Sardou, note de la rédaction. Les femmes savantes ou n'écoutez pas, mesdames, de Guitry, par exemple, s'est-il souvenu auprès de Gala. Dès lors, Romain Sardou a immédiatement su quelle voie il devait emprunter. Comme tous les enfants qui savent ce qu'ils veulent faire, j'étais pressé de me lancer. J'ai arrêté l'école en première. Un choix auquel son père Michel ne s'est pas opposé. Le chanteur de 76 ans l'a même soutenu dans son envie d'écrire même s'il se montre parfois critique. Depuis, Romain Sardou mène son petit bonhomme de chemin. Et ce ne sont pas les projets qui manquent. Après la parution de son livre « Je t'aime », l'écrivain de 49 ans souhaite revenir à ses premières amours. Il compte remonter Antigone en 2024, comme il le fit à Avignon en 2019, et a commencé la rédaction de 2 romans et d'une pièce. Un planning bien chargé qui rassurera certainement son père. Les confidences exclusives de Romain Sardou sont à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 26 janvier ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Cyril Bruno Festival de Ramatuelle.